voilà pour la petite mise à jour, on a j'espère que le maire de Manosque a bien vu ça après l'article qu'il a fait concernant accusant le Café des Libertés de rendre les gens malades et de les emmener dans les hôpitaux. En fait, c'est pas le nombre de malades le problème. Le problème, c'est bien une politique de démantèlement des services publics depuis des années, bien avant la crise Covid. Donc voilà, après, il nous dit que c'est pas une question de budget dans l'article de la Provence d'avant-hier. Dans ce cas, pourquoi il y a 20 000 lits qui ont été fermés pendant les 50 candidatures de Macron? Il nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel, formé pour pouvoir guérir les gens dans les hôpitaux, soigner les gens dans les hôpitaux. Et là, on voit bien en venant ici qu'on a des soignants qui sont là, qui sont disponibles, mais qui sont traités comme des malpropres et que, comme si c'était des criminels qui mettaient en danger leurs patients. Alors que tout simplement, ils choisissent de respecter un choix qui leur incombe, c'est-à-dire ne pas se faire vacciner, ne pas se faire injecter cette substance expérimentale en tout cas. Donc voilà, les soignants, ils sont là. Ils demandent qu'à travailler, ils demandent à être traités dignement pour le travail qu'ils ont fait, pour lesquels on les a applaudis tous les soirs à 20h. Donc c'est urgent que les gens se mobilisent. Il y a eu des mobilisations qui ont marché et qui ont fait réouvrir les urgences, comme à Sisteron, comme à Bordeaux. Donc il faut continuer à se mobiliser pour ça et arrêter d'écouter nos élus qui nous disent que rien n'est possible alors qu'on leur a remis des responsabilités dont ils se déchargent. Et de plus, sur la population, en accusant les gens de ne pas porter le masque et tout ça. Donc le problème, c'est pas le nombre de malades, hein. On a 6 lits dans le département, comme je le disais, ça fait un département de 162 000 habitants dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est pas assez, on le sait très bien, tout le monde en témoigne, on parlait avec la directrice des Alpes, la directrice des urgences de Manosque hier. Donc voilà, en fait, le problème, c'est vraiment la manière dont c'est géré, la manière dont on essaye de démanteler l'hôpital public. Pourquoi ? Pour privatiser, tout simplement, comme on fait avec tout dans notre pays. C'est vraiment la volonté des politiques de vendre les biens publics, tous les services publics, pour privatiser tout. Donc nous, on sera forcément contre ça. C'est ce qu'on dénonce depuis le début. C'est pour ça qu'on est dans la rue depuis le 1er février 2021. Et donc, on invite tous les élus à se joindre à nous dans les manifestations. Parce que oui, ça peut poser. C'est à eux de porter la responsabilité qu'on leur a mis dans les mains. Les gens sont dans la rue, les soignants sont dans une détresse. Ils sont poussés dans une précarité qui font qu'ils ne savent plus comment faire. Mais ils changent de métier. Alors qu'à la base, c'est une vocation. On a aussi une loi qui est passée. Pas seulement le numerus clausus qui limite le nombre de médecins, parce qu'après on nous dit qu'il n'y a pas assez de médecins, mais c'est une loi qui fait qu'on ne peut pas avoir assez de médecins, parce que ça a été fait pour diminuer les dépenses de la sécurité sociale. Mais dans ce cas, à quoi sert la sécurité sociale si on ne peut pas être soigné? Donc voilà, la responsabilité, elle n'est pas sur le peuple, encore une fois, elle n'est pas sur un peuple feignant qui n'a pas envie de se former à être médecin, les médecins ils sont là, donc réintégrez-les. Et tout se passera bien. Voilà. En parlant de manifestation, il y a quelque chose de prévu? Ouais, le 7 juin. Alors ouais, le 7 juin. On a une grosse manif, on va communiquer là-dessus. Ça se met en place, du coup je ne vais pas trop en parler. On a le 18 juin par contre, on va monter à Paris. Pour en gros, on va faire une énorme manifestation avec y a Vérité France, Le Dernier Rempart, il y a Contre-Attaque, il y a Réinfo Covid, Réaction 19. Donc ça va être sacrément balèze. C'est le 18 juin de 14h à 20h. On n'a pas encore l'endroit, mais de 14h à 20h. Et va y avoir une sacrée programmation artistique. Du coup, il y a tout le Café des Libertés qui va monter. On a aussi, je l'annonce en avant-première, comme ça je lui fais un peu la pub. Il y a B.O. de Mars qui va nous rejoindre tout à l'heure, là, un rappeur de Marseille, qui sort son album là ce week-end, et dans lequel il fait une grosse dédicace à l'ASDAC et au Café des Libertés, parce qu'il sait pourquoi on se bat. Il a été avec nous dans des moments forts comme pendant le convoi de la liberté. Donc c'est encore quelqu'un qui est sur le terrain et qui sait de quoi il parle, pas comme ces personnes que dénoncent les soignants qui viennent de sortir et de discuter avec les responsables de l'ARS. Des gens qui sont dans un bureau, qui appliquent une politique qui est totalement inhumaine et qui n'est pas fait pour la santé, pour la bienveillance des gens, quoi. Donc c'est seulement le profit, ils ont des doses à vendre et tant qu'ils ne les ont pas vendues, ils vont continuer à tenir en joue les soignants qui eux ont fait de leur métier une vocation depuis un petit moment. Donc voilà, on les soutient et on les soutiendra jusqu'au bout et on vous invite tous à faire pareil. Merci Merlin. Merci. Yes.